À 17h30 ce lundi, le marché de Noël d'Annecy 2021 est enfin inauguré. C'est un grand ouf de soulagement pour les élus après l'annulation de l'édition 2020 qui a conduit la municipalité et l'ancien prestataire à régler leur litige devant la justice. Mais aujourd'hui, l'heure est désormais à la fête. Ça a été un travail difficile, on a réussi. On est en période un peu d'évolution du Covid, mais là il faut penser à la fête, mais il faut aussi penser aux gestes barrières. Et j'invite tout le monde à venir au marché de Noël, que ce soit sur Annecy, Seynod et les autres communes nouvelles. Il y aura beaucoup à boire, à manger, à rire, à danser et à faire la fête. Et pour ce presque retour à la vie d'avant, la ville d'Annecy a donc choisi d'innover. Cette année, 150 chalets sont dispatchés sur 9 sites différents. 4 à Annecy et 1 dans chacune des communes déléguées. C'est une volonté dans le cadre de la stratégie économie d'Annecy de remettre de la proximité dans chacune des communes déléguées. Ce n'est pas parce qu'on a fait une fusion que Annecy Centre Historique doit rester le cœur de toute l'activité économique. Et c'est pour ces raisons qu'on a voulu mettre de la proximité. La patinoire, par exemple, est à Seynod. Il faut le savoir que grâce à l'office de tourisme, on va aussi mettre en place tout un itinéraire bus où les touristes et les Annéciens et grands Annéciens pourront effectivement prendre le bus pour aller sur tous les sites du marché de Noël. Et pour les commerçants locaux ou ceux qui viennent des quatre coins de la France qui sont déjà en place, notamment le long du Thou à Annecy, cette édition 2021 du Noël des Alpes est très attendue. La chaleur humaine, malgré le froid, beaucoup de contacts, beaucoup de gens souriants à Annecy, c'est très agréable. Voilà. Et puis après, espérons qu'on ait la météo avec nous. Et en tout cas, les gens et les clients ont l'air d'être là. Donc voilà. On attend aussi que tout se passe bien, que les gens soient sympas, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein. Et que surtout, nos produits plaisent et qu'ils soient heureux d'en acheter. Pour le moment, seuls les sites annéciens ont officiellement été inaugurés. Et ce lundi soir, pour la première soirée, le public avait déjà répondu présent pour retrouver un semblant de liberté dans une ambiance qui fleure bon les fêtes de fin d'année. Au final, c'est ça l'esprit de Noël. Un bon verre de vin blanc, une petite gaufre Nutella, et c'est parti. Je suis étudiante et pendant un an, ça a été la misère. Et là, je suis bien contente de retrouver mes potes et de pouvoir sortir. Marché de Noël, c'est côté festif. On se retrouve avec des amis, on passe un bon moment tous ensemble. C'est sympa, quoi. Les différents marchés de Noël d'Annecy resteront ouverts jusqu'au 2 janvier 2022. C'est donc parti pour 6 semaines de fêtes, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu.